Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Le 8 juillet dernier, dans le Auvernais, hameau des Alpes de Haute-Provence, le petit Émile, 2 ans et demi, il est introuvable et les chances de le retrouver vivant sont minimes. Les gendarmes présents sur le terrain depuis plusieurs semaines maintenant tentent toujours de comprendre ce qu'il s'est passé. Une décision prise dans l'optique d'éviter un tourisme malveillant, le hameau est fermé et de permettre aux habitants de retrouver un certain calme. Ce qui n'empêche pas, malheureusement, un certain Huberlu, comme les appellent nos confrères de Nice Matin, qui sont partis enquêter sur cette affaire au cœur de la commune, d'appeler la mairie en prétendant savoir où se trouve le petit. Des individus plus ou moins bien intentionnés, précise le quotidien, avant de laisser le maire révéler cette piste absolument désolante. L'un d'eux nous a parlé de la Dame Blanche et nous a dit qu'Émile était à Grenoble. Attaque de l'eau, chute, des pistes diverses et variées. Merci à tous d'avoir aidé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter.